Pour rester dans la course mondiale, l'Europe doit innover. C'est le message du commissaire européen et ancien ministre Pierre Moscovici. Plus d'innovation, plus de recherche, plus de développement, voilà ce que soutiennent les fonds structurels européens. L'enveloppe allouée à la région centre pour la période 2014-2020 est de 600 millions d'euros. Une aide non négligeable et pourtant, les demandes de financement ne sont pas très nombreuses. J'appelle les responsables politiques, administratifs et les entreprises à se mobiliser pour aller chercher ces fonds, car ils sont disponibles. Ce n'est pas une manne qui tombe du ciel, il faut aussi aller porter des projets. La Commission européenne a lancé un programme innovant qu'on appelle le plan Juncker. La France est championne avec une douzaine de milliards d'euros. Il y a 15 grands projets d'infrastructure, 39 000 PME européennes qui en ont déjà bénéficié. Je pense qu'il y a dans la région beaucoup d'entreprises qui peuvent porter des projets et je pense qu'il faut se mobiliser pour en bénéficier. L'Europe, elle est là, c'est pas un guichet. Mais c'est un soutien. Chez CBE à Saint-Avertin, on conçoit et fabrique des moules pour la construction des tunnels. Métro de Riyad, tunnel ferroviaire à Sydney, l'entreprise de 230 salariés est leader sur le marché et s'est même implantée en Chine. Créée il y a 30 ans, CBE a pour la première fois sollicité les fonds européens pour développer un produit, un robot qui servira à démonter les voussoirs de tunnels beaucoup plus rapidement. Pour cette innovation, CBE a été soutenu par l'Europe à hauteur de 250 000 euros. En règle générale, pour ce qui est des subventions, il y a souvent beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat relativement modeste en valeur nette et en efficacité. Là, on a affaire à un dossier qui est plus important et qui valait la peine de réfléchir sur la façon dont l'argent européen pouvait nous aider et nous inciter à accélérer des projets qui étaient assez consommateurs d'énergie et d'argent. Pour régler la question de la sous-consommation des fonds européens, Pierre Moscovici encourage le Centre Val-de-Loire à se rapprocher, pourquoi pas, d'une autre région et à créer un bureau à Bruxelles pour être au plus près de la ressource européenne.